Coucou à tous. Alors, cette vidéo-là, c'est de tous les postiches et les volumateurs que je liquide à 35 euros, 25 euros, 10 euros. Voilà, délai et tout. Donc, vous allez pouvoir retrouver tout ce dont je vous ai parlé et certains que je vous ai déjà montrés. Non, pas les cheveux humains, uniquement tout ce qui est volumateur, idole et autres. Voilà. Donc, il y en a même qui sont qu'à 15 euros. Voilà, ben écoutez. En espérant que vous trouverez votre bonheur, je vous souhaite un bon visionnage et merci. Comme je l'ai dit dans le vlog, je solde tous ces volumateurs. Donc, je me suis dit, je ne vais pas tergiverser 39, 42, etc. Je les fais tous à 35 euros. Donc, si vous avez... Ça, ce n'est pas un volumateur, c'est un postiche. Hein. C'est les postiches, donc, vous connaissez le système... Bon, pour celles qui ne connaîtraient pas et qui découvriraient ma vidéo, il suffit de prendre le filet comme ceci, on tire dessus pour faire une cavité, on met la boucle dedans et ça, on le pose sur sa queue de cheval. Bon, ben là, c'est pas une queue de cheval, mais voilà, ça donne ça. Alors, voilà la première, bleue. Et la seconde, il y en a deux. Il en reste deux comme ça. Voilà. Donc, là, on en a deux, des bleus. 35 euros pièce. Après, encore un postiche. Moi, je le trouve superbe, celui-ci. Allez, 35 euros aussi. Donc, là, on est dans le cuivré. Postiche, queue de cheval. Hein. Je précise quand même, parce que sinon, vous allez être paumés. Là, on va dans les volumateurs. Alors, celles qui aiment les volumateurs, 79 euros le prix normal, 35 euros. Ça m'arrache le cœur, regardez. Voilà le volumateur. Est-ce que je ne prendrai pas une tête? Non, je ne l'ai pas. Je vais aller en prendre. Alors, je suis allée chercher une tête, parce que le rendu... Alors donc, vous avez les pinces. Celui-ci, c'est un moyen quand même. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six pinces. Le nombre de pinces détermine aussi la grosseur hein, du volumateur. Voilà ce que ça donne. Une fois clippé sur votre tête, voilà ce que ça donne. Goup là. Donc celui-ci, franchement magnifique. De 79 euros à 35 euros. Donc, vous me le dites, vous en profitez si vous voulez. C'est un blond. Blond mèche. De toute façon, faites une capture d'écran, c'est le mieux. Là, c'est un postiche. Alors, c'est le gros format. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça vous fait une super queue de cheval. Franchement, moi, c'est le genre de cheveux que j'adore. Et si seulement ça m'allait, je le porterais. Mais malheureusement, comme vous le savez, ça ne me va pas. Donc, celui-ci, bah, 35 euros aussi. Hein. Vous avez un postiche idole aussi. Regardez comme il est beau. 35 euros aussi. Postiche queue de cheval, hein. D'accord. Je peux vous le mettre sur la tête pour que vous rendiez compte un peu du cheveu. Regardez comme il est beau ce cheveu. Mettons que vous avez des cheveux brun foncé ou noir et vous voulez mettre, je ne sais pas, un reflet. On va dire que vous ne voulez pas oser la coloration parce que vos cheveux sont bien comme ça, en brun foncé ou noir. Ben écoutez, vous mettez ça. Voilà, c'est un postiche. Et franchement... Super beau et puis de la qualité, puisque ça c'est un idole. Voilà. Alors. Là on est toujours dans l'idole. Ça c'est un postiche 4. 4 pinces. Donc il est bien fourni aussi. C'est même étonnant parce que là j'aurais pu mettre 6 pinces. C'est un bon modèle. Voilà. Je vous montre de près ce que ça peut donner. En fait, vous ne le voyez pas. Une fois qu'il est clippé sur votre tête, voilà. Une fois qu'il est clippé sur votre tête, voilà ce que vous voyez en haut. Donc ça, ce sont des 22-24 pouces. Vous avez des mèches plus foncées en dessous. Voilà. Si vous désirez avoir moins de boucles, vous pouvez passer les plaques dessus. Et oui, vous les passez à 150 degrés. Je ne vous conseille pas de le faire régulièrement. Si vous les raidissez un coup, vous les raidissez une fois, n'allez pas les refriser derrière et tout, vous allez l'abîmer. C'est pas la peine. Il vaut mieux, écoutez, investir
Dans une ondulée et une lisse, hein, si vous voulez. Donc 35 euros aussi. Alors, là, on a un postiche idole. Et celui-ci, je le fais à 25 euros. Parce que c'est vraiment à fin. Voilà, c'est taille L. Alors, ça suffit pour faire une queue de cheval et que ce soit joli. Il n'y a pas de souci. Et en plus, c'est du idole. Donc, je le laisse à 25 euros, celui-ci. Alors voilà un marron foncé, ben, du coup j'ai même pas mis les pinces. Ça c'est les derniers que j'ai fait. Eh oui, non, sauf que là il manque des cheveux. Donc celui-ci, il va rester là. Ça va être le premier travail que je vais faire. Regardez comme il est joli le cheveu. Donc on passe directement à un autre. Voilà. Alors ça c'est un volumateur petit. C'est un petit format. Donc, les cheveux sont bruns, très foncés, voire presque noirs, avec des reflets violines. Comme les autres, je vous montre. Voilà ce que ça peut donner. Si vous avez les cheveux noirs ou bruns très foncés, que vous voulez juste avoir un reflet, essayez. Voilà. Tentez le coup, des fois c'est bien, vous ne colorez pas vos cheveux, vous achetez un volumateur. Pour les fêtes, pour les sorties ou quoi, ça vous fait un petit truc avec des reflets. Voilà. Alors là, on est sur un postiche queue de cheval. Alors, si vous n'avez pas trop de volume, vous avez les cheveux raides, frisés, vous les avez blonds, bruns, peu importe, ça vous ira. Parce que les mèches déjà en bas sont blondes, c'est ondulé et donc ça va vous donner un postiche. Je vous montre. Attention, postiche, c'est queue de cheval, hein. C'est pas volumateur, hein. C'est super. Donc, si vous voulez pour les sorties ou quoi, avoir les cheveux ondulés, voilà. Alors, c'est un idole, bien sûr. Donc, c'est la qualité. 35 euros, là aussi. OK. Alors, c'est un très long. Cela, normalement, je ne le fais pas à 35 euros. Celui-ci, je vais le faire à 35 euros. C'est un idole. Donc, vous savez très bien qu'il n'y a pas de nœud. Hein, c'est l'idole. Je cherche. Voilà. C'est-à-dire que là, je ne l'ai pas, je l'ai pas brossé depuis l'année dernière. Non, depuis le début d'année. Voilà. Ça, c'est idole. Vous le brossez comme vous voulez. Voilà, regardez. C'est comme neuf. Et celui-ci s'adresse à quelqu'un qui a les cheveux longs, mais qui en a suffisamment, parce que c'est un tout petit. C'est juste un rajout de cheveux. D'accord? C'est pas du tout pour... voilà. Il y a trop peu de cheveux. Par contre, si vous avez les cheveux blancs, que vous voulez un peu plus de volume, voilà ce que ça donne. Alors, c'est du 36 pouces, à vous de le couper si vous avez les cheveux plus courts. C'est vous qui ferez la coupe et tout. D'accord? Alors, celui-ci, si vous trouvez que c'est trop long, d'ailleurs pour tous les volumateurs, vous coupez. Il n'y a pas de souci, hein. Vous coupez. Moi, je prends les cheveux les plus longs de chaque gamme parce que je n'ai pas la place pour avoir toutes les tailles. Je ne peux pas avoir du 20 pouces ou 18 pouces, 16 pouces, 24 pouces, 30, 32 pouces, etc. Donc, celui-ci aussi, le fameux idole long et tout, 35 euros. Donc, profitez. Hein. C'est bon. Voilà. J'ai fait les turbans, je vous en avais parlé et tout. Je l'ai fait à 25 euros. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de cheveux, ce qui peut arriver malheureusement, si vous avez de l'alopécie ou quoi que ce soit, que vous voulez avoir quelque chose sur la tête pour l'hiver ou autre, et avec un peu de cheveux, voilà, vous les avez juste à l'arrière, ceux-là. Il y en a trois. Il y en a celui-ci, c'est une petite taille. Il y en a un autre avec beaucoup plus de cheveux. Je vous le montre au fur et à mesure. Donc, celui-là, il y a 25 euros celui-ci. Donc, voilà, c'est vraiment bradé, quoi. Vous êtes une blondinette, vous avez les cheveux lisses ou frisés, peu importe. Ça, c'est un postiche pour vous. C'est une queue de cheval que vous allez pouvoir mettre. Si vous avez les cheveux raides, c'est pas grave. Vous tirez vos cheveux, vous les lissez comme moi, je les ai lisses là. Et donc, vous faites votre petit chignon et vous avez votre postiche blond. Alors, c'est un blond platine. Alors, c'est pas le platine blanc. D'accord? C'est un platine très clair, mais il n'est pas blanc, celui-ci. Je précise parce que beaucoup ont des cheveux très très blancs et forcément, ça fait un contraste. Je vous montre après ce que c'est. Ben, je vais vous montrer maintenant la différence. Voilà un platine et voilà un autre platine. Voyez? Ça, c'est un platine presque blanc. Voyez la différence? Donc, si vous avez des cheveux très blancs, celui-ci, vous pouvez l'avoir. Vous en avez avec des reflets roses aussi un petit peu. En fait, le reflet, il n'est pas rose. Ça donne l'impression que c'est rose.
Bon, ça, c'est pas à 35 euros, hein, non. Ceux-là, je peux pas les mettre à 35 euros, parce que moi-même, j'ai payé 45 euros une boule. Et il y en a une et demie dessus, donc... Déjà, je gagne pas d'argent dessus. Mais je gagne pas, j'en perds, hein, ça, c'est sûr. Mais bon... Il me faut de la place, il me faut de la place. Volumateur, cheveux idole, très naturel. Ça, c'est déjà une grande taille. C'est XL. D'accord ? Voilà. Là, ça vous couvre tout. Alors, que vous ayez les cheveux mi-longs, que vous ayez les cheveux courts, vous voulez tenter un plus long, eh ben voilà, vous avez ça. Alors, il peut arriver que vous ayez des petits cheveux comme ça, mais en fait, ça fait carrément le côté naturel. Vous le mettez dans le sens que vous voulez. Celui-ci, en plus, est réversible. C'est-à-dire que si vous le prenez du côté là, vous allez avoir un maximum de cheveux bruns. Et si vous le mettez du côté là, vous allez avoir plus de cheveux blancs. Voilà. C'est à vous de voir. Donc, celui-ci est superbe. Profitez-en de 79 euros. Celui-ci descend. Non, il est à 89 euros. C'est une grosse taille. Ben, il descend à... 35 euros, donc profitez-en, c'est un idole. Alors là, vous avez la taille au-dessus, c'est un XL, celui-ci à 35 euros, voilà, avec les mêmes cheveux. Vous pouvez les couper, hein, si vous les trouvez trop longs. Et voilà, donc vous posez ça sur la tête. Ah, il a un petit défaut, là, mince. Bon, ben, comme il a un petit défaut, là, il sera à 25 euros, voilà, comme l'autre, alors que c'est un plus grand. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte là, c'est bizarre. Je crois que j'ai pas vu. Le petit défaut, c'est ça. C'est le pli. Voilà, donc 25 euros, celui-ci aussi. Alors, celui que je vous ai montré là, c'était un volumateur. Là, vous l'avez en postiche. Pareil, cheveux idoles aussi. C'est des 20 pouces, 20, 22 pouces. Voilà. Voilà aussi ce que ça peut donner. Alors, celui-ci n'est pas réversible. Il y a le même nombre de cheveux blonds partout. Lorsque je dis réversible, c'est que lorsque je couds les cheveux sur les fils, que ce soit volumateur ou postiche, je mets parfois beaucoup plus de cheveux blancs d'un côté. Comme ça, si vous le portez du côté là, il y a plus de cheveux blancs et de l'autre côté, il y en a un petit peu moins. Là, non, hein, c'est parsemé, c'est un postiche queue de cheval. Donc, forcément, c'est partout pareil. Là, vous avez un postiche qui a des mèches. Postiche queue de cheval, hein. Je précise aussi et je vous le montre sur le mannequin pour que vous voyez un peu voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Alors le postiche, vous pouvez le mettre un peu lâche pour que ça vous fasse ce style-là. Vous n'êtes pas obligé de le serrer pour que ça fasse que queue de cheval. Hein. Ils sont quand même pas mal hein, les cheveux, non? Alors celui-ci aussi, bah, 35 euros. Alors, un petit volumateur comme le lisse que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que ça ne s'adresse pas à des gens qui souffrent d'alopécie, mais plutôt à des gens qui ont du volume et qui en aimeraient un petit peu plus. Donc, celui-ci est un blond tendre, blond miel, je dirais. Blond miel, avec des reflux. Vous avez les mèches qui sont un petit peu plus claires. Vous avez donc quatre pinces comme ça. Je vous montre le rendu là-dessus. Donc, s'il est trop long, vous le coupez vous-même, d'accord? Donc, ça s'adresse aux gens qui ont les cheveux ondulés, qui les ont blonds, ou alors peut-être bruns, qui veulent faire un genre. Voilà. Alors là, on a un postiche bleu ciel. Il me semble que j'en ai d'autres encore. Ouf, c'est presque Parme, bleu Parme. En fait, je les avais achetés pour moi, mais comme ça ne me va pas, ben voilà. Donc, tout est à 35 euros, là. Je ne précise pas le prix à chaque fois. Vous savez que le lot, que tout est à 35 euros ou à 25, d'accord? Donc, voilà celui-ci. Et vous avez celui-ci, que perso, j'adore aussi. Regardez voir. À 35 euros, pardon, aussi, XL. Je vous montre le rendu. Et voilà ce que ça peut donner. Postiche queue de cheval. D'accord? Là, on est sur un gros postiche queue de cheval, mais gros volume. C'est-à-dire que déjà, le cheveu, il est très... il est gonflé, il est ondulé, il est cranté. Il y a déjà beaucoup de volume. Et c'est si vous avez les cheveux raides ou si vous avez les cheveux lisses ou cheveux frisés, peu importe. Si vous les avez châtains, si vous les avez blonds, très très clairs. Voilà, je vous montre le rendu. Mais c'est un queue de cheval, donc... Alors là, on est sur un magnifique platine. Je cherche mon peigne. Alors, lorsque vous coiffez des cheveux qui sont ondulés, vous ne les coiffez pas dans le sens là.
mais dans le sens là, d'accord, pour pas casser la boucle. Ça sert à rien, vous pouvez pas les coiffer comme si c'était des lisses, hein. Alors celui-ci a les racines foncées, les racines presque noires. Je voulais dire brun foncé, mais en fait c'est presque noir. Donc si vous avez les cheveux noirs et que vous voulez, bah, écoutez, tenter le coup avec une queue de cheval blonde, vous pouvez, puisque ce cheveu-là sera... Vous pourrez le faire parce que cette couleur-là sera la même teinte que vos cheveux. Une fois vos cheveux tirés foncés, donc presque noirs, ou brun très très foncé, en mettant cette postiche-là, vous avez le suivi de la couleur. Et après, vous les avez platinés. Donc, si c'est trop long, vous coupez. Voilà. Que de cheval. Je me demande même si c'est pas du cheveu humain brésilien, ça. J'ai le doute. J'ai le doute, parce qu'au toucher, c'est bon. Mais enfin, l'idole fait aussi un peu ça. Alors, la queue de cheval frisée, si vous avez des cheveux bruns, roux, parce que là, il y a des reflets roux quand même, hein, vous pouvez tranquille essayer, si vous, les vôtres pardon, sont lisses, vous pouvez tranquille essayer, tenter le coup avec une queue de cheval frisée. Alors là, vous avez un blond vénitien, légèrement roux. Légèrement roux, vous avez des mèches blondes. C'est un postiche queue de cheval. Donc je vous montre le rendu dessus. Regardez comme c'est joli. Elle est belle cette teinte. Je la trouve magnifique. Ah, non. Il me manque quelques cheveux. Donc. Alors là, on est sur un volumateur. Le volumateur, c'est ce qui couvre toute la tête. Je le précise à nouveau. Hein. C'est-à-dire que le volumateur, vous allez le porter comme ceci. Voilà le volumateur. Vous le clipez sur vos cheveux. Voilà ce que ça donne au-dessus. Et donc, si vous voulez changer de look et que vous avez des cheveux blonds, des cheveux bruns, peu importe, peut-être pas noirs, il y a encore que mettre de nos jours. Vous savez, j'ai les cheveux turquoise, donc moi, tout est possible. Vous laissez vos cheveux lâcher en dessous et vous le clipez dessus. Et voilà le look que vous avez. Les clips sont là. Voilà. Vous clipez ça à l'avant et ça à l'arrière. Alors, ça, c'est un volumateur. Cela, je les vendais 89 euros. Celui-ci, je vais le faire à 35 euros aussi. Voilà. Alors déjà, c'est un cheveu idole. Et je vais le faire parce que il est un peu différent. C'est-à-dire que ça va pas être... Ça ne s'adresse pas à quelqu'un qui a de l'alopécie ou autre. Hein. Ce volumateur, il est un peu plus haut que les autres. Voilà, c'est les premiers que j'ai fait, qui étaient sur un filet qui était beaucoup plus épais. Donc, ça fait un petit peu des coins là. Des bosses. Il n'est pas aussi parfait qu'un autre volumateur. Donc, c'est pour ça que je le fais au prix de 35 euros. Mais il fait le job. Hein. Celui-ci ne va pas se porter comme ça, mais il va se porter comme un postiche queue de cheval. C'est-à-dire que vous allez le mettre à l'arrière. Il sera juste un peu plus large. Voilà. Ça donne ceci. Voilà les cheveux. Ils sont magnifiques. En fait, c'est vous qui l'arrangez. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme un postiche que de cheval, sauf que c'est avec des clips. À vous de les mettre au-dessus de vos propres cheveux. Alors, voilà un volumateur. Je trouve que c'est ceux qui sont avec les lisses très longs, les plus beaux volumateurs que j'ai. Regardez les rendus. Je vous dis franchement, si je pouvais porter les cheveux là, si ça m'allait, voilà ce que je mettrais. Alors, vous allez le porter, le clipper sur vos propres cheveux. Je vais vous montrer ce que ça va donner au-dessus. Vous n'avez rien à faire en fait, juste vous le clipper. Voilà. Et voilà votre look. Donc, vous imaginez qu'il vous manque des cheveux ou juste vous n'avez pas de volume ou alors vous voulez juste changer de look. Et ben voilà. Clipper le dessus et ça donne ça. Donc, il était à 79 euros comme les autres. 35 euros. Alors, voilà un postiche 36 pouces aussi. Acajou. Tiens, on dirait presque qu'il y a des reflets roses. Je trouve ça, je trouve cette teinte magnifique. Franchement, là, vous la voyez en pleine lumière. Alors, voilà le rendu. Alors, j'ai pris exprès une poupée, une tête assez claire, hein, pour qu'on voit bien. Postiche queue de cheval, 35 euros aussi. Alors, voilà celui qui est le plus grosse taille.
Alors là, pareil, si vous voulez juste changer de look ou alors si vous souffrez d'alopécie ou plus de cheveux, voilà celui qui est le plus gros format. Alors il est doublé et j'ai mis dessus des petites perles et des pierres de géode. Voilà. Donc, voilà comment il est. Alors celui-ci, 35 euros. Les autres sont à 25 parce que c'est petite taille, celui-ci est 35 euros. Alors, postiche que cheval. Je vais dire que ceux-là, c'est presque ceux qui font le plus naturel parce qu'il y a les racines qui sont brunes, bras foncés et les pointes qui sont blondes. Je vais vous montrer sur la poupée le rendu. Alors, c'est que cheval. Hein. Hop là, voilà ce que ça donne. Celle-ci est magnifique. Hein. De toute façon, elles sont toutes magnifiques. Hein. 35 euros aussi, au lieu de 79, je le rappelle de temps en temps. Alors, celle-ci, c'est réellement celle que moi je porterai. C'est que de cheval, ok? C'est un tissage, c'est pas cousu dessus. Et voilà le gros volume que c'est. Brun très très foncé. Donc, vous voulez changer de look? Pardon, vous avez les cheveux lisses, les cheveux frisés, peu importe. Vous faites un petit chignon et vous mettez ça dessus. Postiche que de cheval, c'est le même que ça, mais avec des mèches roses. D'ailleurs, si je retrouve la photo, je vous le mets où je le porte. Franchement, le rendu est magnifique, mais magnifique et hyper léger. Alors, ça, c'est l'avantage de celle-ci, c'est du tissage aussi. Hein. C'est que celle-ci, le cheveu est hyper léger. Voilà. Donc, en postiche, 35 euros aussi. Alors, hyper léger. Ça, c'est le dernier que j'avais acheté. Je les ai prises qu'une fois. Hyper léger et tout. Ça fait un peu style dread en plus beau et plus classe quand même. Hein. Et donc, brun très foncé. C'est pas du noir, hein, c'est du brun très très foncé. Voilà le rendu. Donc, postiche que cheval. Je dois avoir une dégaine quand je me mets comme ça, moi. Voilà. Alors, c'est du idole. Ce sont les dernières. Alors, vous les fixez en dessous de vos propres cheveux, ok? Comme ça, à divers étages, il y en a 4. Alors là aussi, je vais les brader à 35 euros, les 4. Et je vais en profiter pour vous montrer tous ces genres comme ça, que je liquide tout à 35 euros, l'ensemble, les 4. Hein. Donc, il y a celui-ci qui est en 32 pouces. C'est bien sûr du cheveu idole, ok? Alors, 6 mèches, il y en a 6. Donc, vous avez les cheveux qui sont ondulés, vous les avez châtains, vous les avez cette teinte-là qui est plus claire, peu importe, vous avez ces extensions. Vous les clipez comme ça, vous les clipez au-dessus et encore au-dessus. Et ça va vous donner le volume que vous voulez, ça va vous donner un genre différent. Et donc là, il y a les 6 et les 6 sont à 35 euros, voilà. Ils étaient à 79 euros, 35 euros. Les deux, noires et blanches comme ça, lisse. Je pensais même qu'il y en avait d'autres et tout, voilà. Bon, ben celle-ci, je l'ai fait à 10 euros, voilà. Elles étaient à 29, 10 euros. Pareil pour celle-ci, vous avez les cheveux noirs, vous voulez avoir juste quelques mèches et tout, 10 euros, vous avez les deux. Vous les clipez en dessous de vos propres cheveux, c'est indétectable, c'est génial et ça vous change le look. Les rajouts, pareil, extension, 2 à mettre sous vos propres cheveux pour 10 euros les deux. Voilà. Les extensions, là vous en avez 4. Vous en avez 4 comme ça et tout. Et vous les avez pour 25 euros, des extensions, les 4. C'est bon. Là vous avez les 4 extensions platine. Alors c'est pas le platine blanc, c'est le platine. Vous les avez là aussi, à 25 euros. Alors là vous avez une extension qui est pleine, elle est sur plusieurs étages, elle est à cajou. Alors celle-ci, vous pouvez soit la porter devant, si vous voulez juste, je dois me débrouiller comme je peux, hein, d'accord? Bon, je me sers du miroir hein, qui est là. Voilà, vous pouvez la porter comme ceci, et vous pouvez la porter derrière, à l'arrière, en dessous de vos cheveux, d'accord? Celle-ci à 10 euros. Des cheveux ondulés ou frisés comme ça,
Je le rappelle encore, ne les coiffez déjà jamais avec une brosse, toujours à peine. Je fournis le peigne avec. Et comme ceci, d'accord? Là, vous le démêlez, tranquille. Alors, vous avez toujours quelques cheveux qui viennent avec. Ça, c'est pas grave. C'est parce que je suis obligée de couper les mèches pour les monter sur le volumateur. Voilà un volumateur qui est assez grand quand même. Alors, je mets une pince blanche. Vous savez pourquoi? C'est uniquement pour vous, pour que vous vous repériez. Mettons voir, le jour où vous avez trouvé comment mettre votre volumateur sur votre tête, comment le clipper, ou devant, ou du côté. La pince blanche vous servira de repère. Si vous la mettez devant et que vous trouvez que le volumateur vous va bien, ben vous saurez que la pince blanche va devant. Et si vous la mettez à l'arrière ou du côté, vous pourrez vous repérer. Voilà le volumateur. Vous le clipez sur vos cheveux et voilà ce que ça donne. Alors, je vous montre le dessus aussi. Voilà. Donc, il ne se voit pas, il est indétectable. Vous avez les cheveux châtains ou les cheveux blonds, vous voulez avoir beaucoup de volume, vous voulez avoir une coupe différente. Et ben voilà. Alors, 35 euros au lieu de 79 euros aussi. Je le rappelle de temps en temps, c'est parce que je veux m'y habituer, ça me fait mal au cœur. Alors, c'est un idole. C'est le plus petit des postiches. Il est vraiment rikiki. Vous le faites de la même manière. Hein. Vous remontez, vous mettez votre queue de cheval. Ça, ça va s'adresser à des gens, par exemple, qui ont des cheveux très, très fins et qui ne veulent pas que ça se voit trop. Voilà. Donc là, vous en avez un tout petit. C'est un idole aussi. Et alors, 15 euros. Donc, profitez-en parce que je vous garantis qu'à 15 euros, cette qualité-là, vous ne la trouverez pas. Voilà. Vous me rappelez le prix. Hein. Alors, postiche queue de cheval. Tout à l'heure, j'en ai pris une en photo. Voilà, il y en a deux. Donc, si vous voulez, je ne sais pas, vous faites du cosplay ou quoi, pour faire, vous voyez, les couettes, vous avez les deux. Donc, c'est 35 euros pièce. Si, bien sûr, vous prenez les deux, je vous ferai un prix. Si vous les voulez pour du cosplay ou quoi. Alors, celui-ci, c'est un tissage. Alors, celui-ci est superbe, mais par contre, je précise, c'est le plus lourd que j'ai. Voilà. Il y a énormément de cheveux. Il est lourd. Si vous ne craignez pas, il n'y a pas de souci. Hein. Vous le mettez sur votre couette et tout. Et puis, vous voyez ce que vous avez comme volume et comme nombre de cheveux. Bah, celui-ci est à 35 euros. J'allais dire 79. Non, 35 euros. Voilà. Volumateur, 4 pinces, cheveux idole. Magnifique. Je regarde si c'est brun fond, très très foncé ou noir. Moi, je dirais que ça va plus vers le noir. Volumateur 4 pinces à clipper comme ceci sur vos propres cheveux. Mais même si vous avez les cheveux bruns, vous voyez, ils sont dessous, on ne les voit pas. Hein. Vous les clipez dessus et voilà ce que ça donne. Voilà le dessus. Et donc, pour changer de look, donc de 79 euros à 35 euros, profitez-en. Alors, ça, c'est celui que je vous ai montré, là, tout à l'heure. Donc, il y a un chouïa de plus de cheveux. Celui-ci, c'est toujours un idole, mais le cheveu est encore plus léger. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sensible du cuir chevelu, celui-ci vous ira parfaitement, il n'y a pas de souci. Si réellement vous craignez, il ne faut pas quelque chose de lourd, je crois qu'il pèse 120 grammes, 130 grammes. Donc, c'est vraiment le plus léger des volumateurs. Voilà le rendu dessus. Voilà ce que ça peut donner. Donc, vous avez vos cheveux dessous, vous le posez sur la tête, vous clipez, et vous voilà avec, ma foi, une coupe magnifique. Alors, il y a une chose. Quand vous avez ce style de volumateur, vous allez le laver exactement comme vous laveriez vos cheveux. Mais vous ne mettez pas d'après-shampoing. Vous allez mettre dans une bassine d'eau froide un petit peu de soupline. Toujours, d'accord? Et vous le rincez comme ceci. Les cheveux vont redevenir bouclés comme ça. Vous n'avez pas de brushing à faire, absolument rien du tout. Vous les laissez sécher en l'accrochant et ça s'arrête là. Si vous en prenez soin comme ça, vous le garderez longtemps. Si je pouvais, j'en ferais des fringues. Alors voilà un cheveu vert. Je l'avais acheté aussi pour moi. Mais bon, c'est long, le long ne me va pas. Donc, vous avez... C'est un tissage comme le rouge et comme un autre de couleur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, à porter en postiche queue de cheval. Voilà, magnifique. C'est aussi cheveux idole, bien sûr. Donc, qualité. 35 au lieu de 79. Alors là, vous avez un volumateur. Je vais chercher ma pincette.
j'avais un volumateur qui ne va pas être pour l'ensemble. C'est-à-dire que si vous avez des cheveux, vous avez la frange, mais vous trouvez qu'il vous manque un peu de cheveux à l'arrière ou quoi, vous allez le clipper comme ceci à l'arrière. Vous le mettez sur vos propres cheveux, vous faites les quatre clips et vous laissez vos cheveux dessus. Regardez un peu. Le résultat sera magnifique. Vous avez vos cheveux dessous, vos cheveux dessus et vous avez ceci. Alors, il est platine et cendré. Là, je crois que ça peut intéresser une... Là, c'est le genre de toi, Kate, il me semble. Là, c'est ton cheveu. Donc, c'est vraiment platine. Vous avez un platine blanc et vous avez châtain. Et c'est du cendré, pas du tout de doré. De... Voilà. Alors, châtain clair, cendré avec les pointes très cendrées. C'est un gros volumateur. Alors, celui-ci est superbe. Ça serait pour Pomme, celui-ci. Si jamais tu vois cette vidéo, ben regarde si tu veux te tenter le coup. Mais toi, tu aimerais le lisse, c'est dommage. Bon. Voilà comment vous allez le porter. Vous allez le clipper sur vos propres cheveux. Si vous n'avez pas de cheveux devant, vous le clippez à ras. Le rendu sera comme ceci. Mais si vous avez vos propres cheveux devant, vous pouvez très bien les mettre dessus. Ils vont se mélanger. Alors ça, c'est un gros. C'est un XXL et vous l'avez à 35€ au lieu de... Celui-ci, c'est un XXL. C'est les gros formats. Les gros formats étaient à 89-99€. Je le fais aussi à 35€. Donc, profitez, puis c'est un idole. Alors, là, vous avez une super couleur. C'est un cheveu idole. C'est un postiche, donc, queue de cheval. Et celui-ci, vous allez l'avoir au prix de 25€. Ben, c'est une petite taille, en fait. C'est une taille L et tout. Et c'est le dernier que j'ai comme ça. Donc, profitez-en, parce que si vous voulez avoir un joli postiche de qualité, voilà, et à 25€, c'est plutôt rare. Alors là, vous avez un postiche queue de cheval, avec des mèches blondes et tout, vous avez la teinte à cajou, voilà. Il est long de 30 pouces à peu près. Alors là, je suis en train de le coiffer, donc ça donne pas mal de volume. Si jamais vous voulez garder les boucles très très serrées, il vous suffit de le mouiller et de le tenir comme ça, les boucles vont se refaire, c'est-à-dire le cranter surtout. Alors, vous allez retrouver des cheveux, vous ne vous inquiétez pas. Ils sont coupés, moi, les cheveux, quand je les coupe. Par contre, je ne m'amuse pas à enlever chaque cheveu de chaque postiche. Je pourrais le faire, mais du coup, j'augmenterai un peu le prix. Là, vous l'avez à 35€ aussi. Donc, profitez-en, c'est le dernier. Alors, je vous ai montré les volumateurs qui étaient en noir ou brun foncé. Si vous voulez, on va dire, et tester un petit peu ce que ça donnerait avec des mèches ou quoi, et que vous ne voulez pas faire vos cheveux ou quoi, voilà. Là, vous avez le volumateur avec quelques mèches. Or, il n'y en a pas tellement. Le rendu est superbe. Regardez un peu. Voilà, vous le clippez sur vos cheveux. Voilà ce que ça donnera. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez beaucoup de mèches ou pas. J'entends par là. Ici, vous voyez, elles sont tout autour, mais il y a des endroits où il y en a un petit peu moins. C'est comme vous allez les mettre. Toujours 35€ au lieu de 79. Je commence à fatiguer, il y en a beaucoup. Si vous aimez le volume, si vous aimez le côté un petit peu crépus, on va dire, mais lisse quand même, hein. Voilà, vous avez un volumateur. C'est un grand format. Vous voyez, c'est le XXL, celui-ci. Donc, vous le prenez, vous le clippez sur vos propres cheveux. Et voilà le résultat. Voilà ce que ça donnera. Il faut aimer le volume. Moi, j'aime le volume. Alors, croyez-moi que si le noir m'allait, je mets 5€. Au lieu de 89€. D'accord? Alors, là, vous avez un postiche queue de cheval. Pas très, très long. C'est le fameux cheveu idole qui se colore et se décolore. Alors, si vous avez vu les vidéos... J'avais décoloré ces cheveux-là et tout, mais malheureusement, le résultat n'était pas top. Alors, j'ai coupé, j'ai laissé juste les pointes. Donc, je ne vais pas la jeter, ok? C'est queue de cheval, la texture, le cheveu est beau quand même. Je vais le faire gros, donc postiche queue de cheval, si vous voulez quand même quelque chose de qualité. Profitez-en, perruque, que ce soit la brune comme ça avec les racines un peu plus brun, que ce soit la blonde, ce sont des perruques idoles, ok? Ou que ce soit celle qui est un petit peu moins platine, vous le voyez là,
Alors, elles étaient toutes à 119 euros. Vous les avez à 35 euros pièce. D'accord ? Donc, vous en profitez. Il me faut de la place. Ça fait un bout de temps que je les ai. Il me reste deux platines. Il me reste une blonde très claire. Et il me reste cette brune-là. Donc, 35 euros pièce. Voilà. Je dis que ça. Alors là, vous avez une perruque. C'est la dernière grande perruque que j'ai comme ça. D'accord ? Elle est magnifique. Elle a des mèches. C'est du cheveu idole, bien sûr. Elle a une petite frange de deux couleurs. 36 pouces et elle a la densité maximale. Alors, le prix normal était à 179 euros. Je l'avais mis en promotion à 149 euros. Ben là, écoutez, si elle vous intéresse, celle-ci, je la fais à 79 euros. Donc, profitez-en. Alors, ça, c'est un volumateur qui a 5 pinces. Et comme il a un petit défaut, je vous explique. Le petit défaut, c'est ça. C'est que le voile a fait un pli là. Donc, c'est pas très gênant lorsque vous le mettez sur votre tête. C'est parce que c'est pas dit que ça se voit. Voilà. Vous le portez sur la tête comme ça. D'accord ? Vous le clippez sur vos propres cheveux. Celui-ci va être plutôt à clipper vers l'arrière, je vais dire. Comme il a ce petit pli. Mais je préfère le dire tout de suite. Et du coup, ben, je le brade. C'est du cheveu humain brésilien, 100%. Et vous savez quoi ? Je vous le fais à 45 euros. Voilà. Le prix normal, c'est 99 euros. Donc, si vous le voulez, en cheveu humain, vous pouvez le colorer. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec et tout. Voilà. Bon, ben voilà, je crois que j'arrête tout, vous avez tout derrière. Donc, j'ai essayé de faire une photo de chaque comme ça, mais je ne vais pas pouvoir les mettre tous sur Vinted, parce que sinon Vinted me vire, vous savez qu'ils m'ont déjà viré 3 fois. Même si j'étais en professionnel, ça ne passait pas. Donc, les vidéos servent à ça. Faites une capture d'écran sur celle qui vous plaît. Et puis voilà, quoi, comme ça, je vous la servirai, je vous ferai l'annonce, et puis ce sera bon comme ça. Je fatigue, là, oui, ça fait, je sais pas, 3 quarts d'heure que je suis là debout en train de faire le truc. Donc, profitez-en. Elles sont toutes à 35, c'est 25, 15 euros, voire 10 euros, les trucs. Il faut vraiment que je liquide. L'idéal serait que tout le portant parte. Voilà, voilà, bah, écoutez, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Et puis j'espère surtout que vous avez trouvé votre bonheur. Voilà, je vous dis à bientôt, bye.